C'est comme si t'avais toujours été là. Tu fais danser mon cœur, j'ai des ailes. Chaque que tu m'as conquise, on est liés, je comprends. Je vais plus perdre. Aya Nakamura livre une prestation mémorable au Vogue World de Paris. En pleine Fashion Week à Paris, Aya Nakamura a livré un concert d'exception lors du Vogue World, pour notre plus grand plaisir. Pour le défilé Vogue World à Paris, c'est Aya Nakamura qui a fait l'inauguration du show Place Vendôme. Une prestation incroyable où elle a interprété sa chanson Fly de son album Aya. MCE vous raconte tout de A à Z. La rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour voulait mélanger les plaisirs et offrir un vrai spectacle de mode avec un défilé regroupant plusieurs créateurs et également mettre en avant le sport, à clin d'œil au Joe Paris 2024 qui approche. Si l'interprète de Fly n'a toujours pas été confirmé pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, l'équipe de Vogue a su saisir l'occasion et il faut dire qu'ils ont bien fait vu la performance qu'Aya a délivrée. Le sport était également à l'honneur pendant ce défilé. 10 disciplines sportives ont été sélectionnées pour représenter une décennie interprétant un thème de mode, à la française. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, revoyons l'incroyable prestation d'Aya Nakamura, la reine de France à l'ouverture du Vogue World de Paris 2024. Bon visionnage mes chocolats diamantaires et dorés d'amour. C'est comme si t'avais toujours été là. Tu fais danser mon cœur, j'ai des ailes. Chaque que tu m'as conquise, on est liés, je comprends. Je vais plus perdre le temps. Si j'ai des doutes, serre-moi plus fort. Plus fort encore. Je ressasse, je repars, c'est toujours pareil. Mon amour, je sens, tu peux pas me l'enlever. Je repars, je ressasse, c'est toujours pareil. Plus le temps passe, tu fais. Je veux être, tu peux compter sur moi. J'ai le mental, tu sais déjà. Non, j'ai pas peur de ça. J'ai plus d'limites, j'en ai rien à faire. Je vois mon chemin avec toi. À travers ton tout le reste autour, je m'en fous. Je ressasse et je repense, c'est toujours pareil. Mon amour, je sens, tu peux.
Waouh. Elle est magnifique. J'ai l'impression qu'elle est plus dans mon corps. Parfaitement. Bon là, on n'a pas le rendu final, mais c'est déjà très très bien, je pense. Ouais, c'est pas bien. Ouais. Bah, le cheveu est impeccable malgré Merci. La pluie. C'est le jour J. Ce qu'il m'a dit. Vous vous sentez serré, non, non. Ça va. Très très belle. Moi, c'est beau. Waouh. Après l'incroyable prestation majestueuse de la reine de France Aya Nakamura au défilé Vogue Paris 2024, Jean-Paul Gaultier, le styliste d'Aya, a partagé des moments de préparation intense pour cet événement. Ce dernier a créé une robe corsetée haute couture pour rendre gloire à Aya Nakamura, la reine de France. Alors mes chocolats diamantaires et dorés, revoyons une fois de plus l'interview de Jean-Paul Gaultier après la prestation d'Aya Nakamura, la go la plus mini de France. Bon visionnage, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour. Elle est magnifique. J'ai l'impression qu'elle est plus dans mon corps. Parfaitement. Bon, là, on n'a pas le rendu final, mais c'est déjà très très bien, je pense. Ouais, c'est pas bien. Ouais. Bah, le cheveu est impeccable, malgré Merci. La pluie. C'est le jour J. C'est ce qu'il m'a dit. Vous vous sentez serré, non, non. Ça va. Très, très belle. Moi, c'est beau. Waouh. Quelle silhouette, quel profil. L'inspiration, c'est elle. Elle l'habite totalement, quoi. J'avais déjà fait donc des collections où j'avais une collection qui était d'inspiration, avec des inspirations un peu africaines et tout. Là, c'est une collection, là, c'en est une autre. Une belle génération d'aujourd'hui, quoi. Ben voilà, c'est ça, on fait un patchwork de... C'est le revival vintage. Donc j'ai pensé à cette robe-là, et puis une autre. La collection Amy Winehouse. Exactement. Et le corset, évidemment, de satin noir. Et je trouve que l'ensemble, d'une part, ça faisait plus Gaultier, parce que je fais toujours les corsets. Et puis elle a une taille formidable, quoi. Elle a la morphologie parfaite pour accentuer la beauté de son corps naturel par un corset. Il se trouve que ça lui plaisait bien, cette inspiration-là, et elle l'a essayé. Et puis en fin de compte, ça a marché tout de suite, quoi. Transformer, j'adore, redonner et tout. Mais ça, ça vient peut-être du fait que j'allais beaucoup aux puces, et puis quelquefois, je transformais des vêtements anciens et tout, en faisant des espèces de mélanges. Et là, j'aime beaucoup ça, en fin de compte, une robe, et puis lui redonner une nouvelle vie, c'est assez génial, je trouve, non ? Elle est très inspirante, ça c'est sûr. C'est une vraie sculpture. Son corps est extraordinaire, ça lui allait. On fait des petites rectifications, on fait semblant de faire des rectifications en vérité. Elle est très longue, hein. Ouais. Ouais. Rajouter un petit peu. Un petit peu de tulle, un peu de longueur, tu vois, simplement. On n'a pas l'équivalent là, et c'est pas mal peut-être. Okay. Tu vois, un petit peu de l'autre côté aussi, tu vois. Parce que comme tu as des très belles épaules. Sinon, il y a un truc qui peut se faire, c'est quand tu as une espèce de ruban fin. Je crois que c'est mieux. Allez, on en va balader et voilà. Tout doucement alors. Oh, faut pas avoir peur. En plus, c'est du raffia. Il doit bouger très bien quand tu bouges. Hein, c'est moi. Les cheveux. Ah ouais, regarde. Voilà, la souplesse et tout. La chorégraphie du cheveu. Moi, je me dis soit un chignon, mais j'ai déjà fait trop de chignons, donc je sais pas, je vais voir. Mais je me dis une coupe attachée, il faut qu'on voit mon cou. Surtout si tu veux mettre un bijou, il faut absolument qu'on voit ton cou, autrement ça va. Ouais. Ouais, mais je veux pas un trop gros bijou. Que représente Aya Nakamura aujourd'hui ? Ben, elle représente une très belle France, en plus, et d'une femme, surtout c'est ça, une femme forte, affirmée, qui a bon son talent, sa voix vocale évidemment, mais qui incarne une femme sûre d'elle et qui n'a peur de rien. Donc ça c'est beau. Vive les femmes fortes. C'était Rap Choco La Fleur, ton média préféré des concerts de vos artistes préférés, sport, actu de vos artistes préférés, décryptage, diffusion de quelques événements de renom et j'en passe. Si tu veux faire partie des chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Choco La Fleur, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne rien rater de nos prochaines publications. À la prochaine, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour.